Salut tout le monde! Très heureuse de vous retrouver pour un nouveau tag qui sera le tag années 90. J'ai vraiment adoré ce tag, notamment le regarder sur la chaîne tout d'abord de Luffy et ensuite chez Adriana Trends. Et j'avais hyper envie de le faire moi aussi, donc on va tout de suite le commencer par la question numéro 1 qui est quel est ton dessin animé préféré? Donc moi ce qu'il faut savoir c'est que j'avais un petit côté un peu garçon manqué et j'aimais énormément les Chevaliers du Zodiaque. Donc je vais vous répondre tout d'abord ça, mais j'aimais également aussi beaucoup Princesse Sarah, Nikki Larson qui me faisait mourir de rire avec sa nana qui lui mettait des gros coups de massue sur la tête. Et j'aurais envie de vous dire également, on pourra ne pas être très original avec cette réponse, mais dire Sailor Moon, puisque Sailor Moon c'était sympa aussi avec les effets, tout ça, le côté un petit peu princesse, voilà, j'aimais bien aussi. Question numéro 2, quel était ton jeu favori? Donc là j'ai répondu Monopoly, puisque le Monopoly j'y jouais pas mal. Question numéro 3, ta série favorite? Alors là j'en ai mis pas mal, tout d'abord X-Files, évidemment, puisque moi j'étais une fan inconditionnel d'X-Files et de David Duchovny qui était mon héros quoi, j'étais super amoureuse de ce mec là, donc forcément j'en ratais pas une, je les enregistrais tous les épisodes sur des grosses cassettes vidéo et voilà c'était vraiment le moment sacré quand il y avait X-Files. J'ai répondu également Le Miel et les Abeilles, hein, voilà vous savez toutes les petites séries AB, AB Productions qu'on avait le droit, les petits navets là, donc Hélène et les Garçons, tout ça, mais j'aimais surtout bien Le Miel et les Abeilles. Et j'ai répondu également Madame est servie, puisque Madame est servie je le regardais beaucoup avec mes deux grandes sœurs, et puis j'ai mis MacGyver, oui il y avait aussi MacGyver, et Friends, ouais pas mal Friends avec justement avec une copine que j'avais, Sophie, Sophie d'ailleurs si tu passes par là et que tu regardes cette vidéo je pense que ça te rappellera quelque chose quand on se mangeait des pâtes chez tes parents dans le 16e en regardant Friends. Bah voilà, moi c'est plein de souvenirs que j'ai de ces années là. Donc ensuite, question numéro 4, NSYNC, excusez-moi, ou Backstreet Boys. Donc moi j'ai répondu Backstreet Boys, même si j'aimais bien aussi NSYNC, mais voilà. Question numéro 5, la tendance mode que tu trouvais la plus bizarre. Donc bon, là j'ai répondu les Buffalo, vous savez ces espèces de grosses chaussures avec des semelles énormes comme ça, c'était juste difforme et immonde, mais on rêvait toutes de les avoir, donc bon moi évidemment j'en ai jamais eu hein, parce que ma mère trouvait ça super vulgaire et c'est juste hors de question qu'elle m'achète ça, mais mes copines en portaient, donc voilà, Buffalo. J'avais répondu aussi les pantalons pattes d'éléphant, oui parce que les pantalons pattes d'éléphant étaient très à la mode à l'époque, on en avait toutes, et aujourd'hui ce serait juste plus du tout mettable et c'est juste immonde au niveau de la silhouette, donc c'est vrai que c'était un petit peu une mode un peu bizarre. Question numéro 6, la chose que tu préférais collectionner? Donc là j'ai répondu les pins, oui j'avais une grosse collection de pins, et ils étaient rangés dans un gros classeur comme ça avec plein de pages et j'avais tous mes pins agrafés dessus, donc voilà, moi je collectionnais les pins et également les fleurs séchées, oui oui. Question numéro 7, combien de Tamagotchi as-tu? Alors moi j'en ai eu 0, hein. Voilà c'est simple, 0-0, je n'en ai pas eu ce truc là, j'ai joué vite fait avec celui d'une copine mais voilà je me suis très vite désintéressée de ça, c'était pas trop mon truc. Question numéro 8, console de jeu et jeu préféré? Donc là c'était la Mega Drive et j'adorais jouer à Sonic. Ce qu'il faut savoir c'est que moi j'ai eu une année un petit peu difficile dans ma jeunesse où j'ai été hospitalisée pendant un an dans un hôpital à Paris. Et du coup en fait bah, les journées étaient très très longues, j'avais pas du tout le droit de sortir et on s'occupait comme on pouvait, donc je faisais pas mal de travaux manuels, de la pâte à modeler, des perles etc. Et je jouais aussi à la console et donc c'est là que j'ai découvert les joies de jouer à Sonic et j'aimais bien. Ensuite, question numéro 9, ton Disney préféré? Donc là j'ai répondu La Petite Sirène sans hésiter, j'étais juste trop fan de La Petite Sirène, j'adorais l'histoire, je la trouvais magnifique, je l'avais en espèce de poupée, vous savez les poupées Barbie là, avec la queue qui changeait de couleur quand on la mettait dans le bain suivant la chaleur de l'eau, donc voilà, Ariel, c'était mon héroïne préférée. Ensuite, question numéro 10, ton chanteur ou ta chanteuse favorite? Donc Britney Spears, oui 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 Britney Spears, mais je dirais également Christina Aguilera qui me plaisait pas mal aussi. J'aurais pu vous dire également Kylie Minogue que j'aimais énormément, que je trouvais juste magnifique, j'aimais bien ses chansons et voilà, d'ailleurs j'aimais bien aussi celle que Dani Minogue, sa sœur, avait sortie après.
Ensuite, question numéro 11, ton bonbon favori. Donc là, c'était les bonbons, les fils, on appelait ça les fils, c'était des trucs larges, plats. Il y en avait au coca, à la pomme, à la fraise, et c'était vraiment, vous savez, un peu acide, voilà, et plein plein de sucre sur le dessus. Donc il y avait les lassos, je crois, qui étaient vraiment tout fins, et il y avait ceux qui étaient plus larges, et moi j'aimais énormément les larges, et mon goût préféré, c'était les verts, c'était ceux à la pomme. Ensuite, question numéro 12, ton jeu favori à l'école. Donc moi je me souviens avoir énormément joué à l'élastique, c'est un truc que j'adorais, donc voilà, l'élastique en plus j'étais super calée, j'allais jusqu'à tout le bras, hein, parce que oui on avait plusieurs niveaux, on commençait en bas et on montait, et voilà, moi j'arrivais jusque-là et c'était mon grand jeu quand je partais en cours de récré avec mes copines. Question numéro 13, ton livre favori. J'étais passionnée par les livres de Tolkien, donc Le Seigneur des Anneaux, bien avant que ce soit repris en film. Et d'ailleurs, j'ai largement préféré les livres au film. Donc voilà. Ensuite, question numéro 14, une marque de vêtements qui faisait fureur. Donc là, il y avait Diablesse. Je ne sais pas si certaines s'en souviennent. Diablesse, c'était des espèces de grosses doudounes immondes, hyper matelassées, qui descendaient vachement bas, en fait, juste en dessous du genou. C'était The Truc, quoi. Et moi, je trouvais ça immonde. Mais voilà, c'était super à la mode. Et il y avait également Levi's. C'était bien d'avoir un Levi's, notamment les 501. Donc, c'était pas très féminin. Sauf que, ceci dit, d'assez belles fesses. Et voilà, donc moi, c'est ça qui m'a pas mal marquée. Ensuite, question numéro 15, ce que tu regardais en rentrant de l'école, donc les Minicums, le Club Dorothée, surtout, je ratais jamais le Club Dorothée. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez remarqué le petit effort de look. Et comme d'habitude, je vous envoie plein de gros bisous et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! C'est l'hormone, il ne vit pas comme